Comment ça se fait qu'il y a ça, lui? C'est bizarre. C'est moi qui ai acheté ça dans son corps. Ah, ok. Bon bah on va retourner à Corberock aujourd'hui. Bonjour tout le monde, ici Profitroche sur sa chaîne The Dragon Press comme d'habitude. Nous voici sur la suite de Skyrim. Alors bien sûr DLC Dragonborn pour le moment. Je vais essayer de finir toutes les quêtes annexes. Je vous cherchais. J'ai quelque chose à vous remettre. Ouais, encore une. Je crois que c'est bon. Je dois y aller. Donc faut que je retourne, ouais, bien sûr. Faut que je retourne aux terres. Pour parler à. N'êtes pas un trouble fait, j'espère. Pote. Vous avez rattrapé. Vraiment? Vous n'avez pas idée de ce que ça représente pour moi. Et pour ma famille. Merci. En ce qui me concerne, votre bravoure ne fait plus aucun doute. Il paraît que acceptez le conseil ce cadeau en gage de gratitude. De à son Brolus. Évidemment. Maintenant qu'il est sous la non, je m'en fous de ton cadeau de merde. Bon voyage. Bon, allez, ciao. Sans le rempart. J'ai toujours pas la pioche au final. Et si je vais avancer dans le jeu, je vais ouais, donc, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai un peu de tout. Des potions, des fourches peut-être? Mon acheteur est ravi grâce à vous. Continuez à m'en apporter. Ouais, si bah, vous avez besoin de quelque chose, vous savez où me trouver. Je retourne ici. Mais j'aimerais bien voir. Ouais, je sais pas s'il est dans la mine l'autre. Parce que j'aimerais bien récupérer ma pioche moi. Regardez-moi. Je suis une personne différente maintenant. On ne peut mieux. On a découvert de gigantesques gisements d'ébonite dans les sections qui ont été rouvertes. Le vieux Crécius a du flair pour trouver où il faut creuser. Si les mineurs l'avaient écouté plus tôt, la ville ne serait pas retrouvée dans cette mauvaise passe. À ce rythme, j'aurai un toit au-dessus de la tête dans quelques mois. On se voit dans les mines. Je n'arrive pas à croire que vous avez réussi à rouvrir les mines. Je ne sais pas comment vous remercier. Pour autant que je sache, je suis le dernier impérial à Solstheim. Bah, je lui ai acheté. Merci. Merci pour tout. Ah, par contre, je suis trop lourd. Merde. On va voir ce qu'on peut jeter. Ou si je prends un niveau, peut-être que je vais gagner de... Moi j'y crois moyen mais bon. 300, ah oui quand même. On va prendre la vigueur. Bah l'enchantement ouais pourquoi pas. Bah je crois que non j'ai pas besoin, je suis à fond en fait. Bah si de glace. Si de glace ça peut valoir le coup. La prochaine fois faudrait que je fasse la forge. Ou pas. Non, je pense pas. Non, la prochaine fois, c'est armure lourde et puis parade aussi. Et une main. Et l'arc. Oh, il y a tellement de trucs. Le pire, c'est que j'ai jamais de points. C'est abusé. Tant pis. De toute façon, avant le boss, on va se faire un malin plaisir d'aller voir le livre de Hermaeus Morin. Alors, la trésor du balafré, je crois que j'ai tout ramassé, mais je suis pas sûr. D'ailleurs, comment ça se fait? Armure. Ah ouais, tu vois, tout est sur moi. C'est pour ça aussi que je suis trop lourd.
faudrait que je libère un petit peu de place. Est-ce que j'ai tout là? Ouais, j'ai tout là, c'est pour ça. Alors faudrait que j'enlève déjà tout ça. Et vu que je suis trop lourd, je peux pas me TP. Alors est-ce que je peux pas acheter un truc qui sert à rien? Bah là-dedans, si, il y a ça déjà. En plus, il manque pas beaucoup. Je pourrais déposer ça, mais ça me fait chier. Est-ce que j'en ai besoin pour une quête un jour? Quoique, je vais peut-être pas la faire, la quête avec vous. Donc, ouais, finalement, voilà, déposer, c'est pas grave. Il n'y avait pas ma faim. Alors, du coup, si je veux ne pas m'alourdir avec ce qu'il y a ici, il faut que j'aille en bord de ciel. Je vais déposer mon bordel. Comme ça, je vais être beaucoup plus léger. Et ensuite, on peut y retourner. Si vous voulez faire la traversée. Du coup, là, une fois que j'ai fait ça, je vais chez moi. Tour de grille de la brèche. Ça, c'est des nouveaux trucs qui sont en lien avec... comment ça s'appelle? Avec le DLC des vampires, ça. Alors, pas le rocher orphelin, par contre, ça c'est... Alors, je vais à Ridgewood, parce que c'est bizarre, c'est que... J'ai encore le mode de la porte qui amène jusqu'à un point de contrôle, une maison. Et j'ai pas la clé qui m'emmène, enfin l'anneau qui m'emmène directement là. Et c'est dommage parce que c'était plus rapide et plus facile avec l'anneau que de passer par les portes. Il y a une porte dans chaque bâtiment, limite. D'ailleurs, normalement, il y en a une même ici. Non, peut-être pas. Non, peut-être pas ici, mais... Ah non, parce que ça, c'est un mode aussi. Je suis bête. Je vais le déposer où, mon bordel, là? Il est vide, lui? Non. Il y a une épée d'argent. Alors ça, franchement, je vois pas pourquoi j'ai mis tout ça là-dedans. Bon, je vais prendre ce qui sert à rien, là. Les griffes, on va les laisser là-dedans pour l'instant. Le reste, ouais, je pense que je vais le laisser là. Sauf ça. Tout ce qui est, on va dire, un peu unique, je vais mettre ça ailleurs. Enfin, on va le mettre dans celui-là. On va mettre tous les objets uniques. Alors, du coup, il y a... ça, je peux pas le déposer. Il y a la lame d'Escalsang. Alors, par contre, j'aime bien la lame d'Escalsang. Faudrait que je l'améliore, d'ailleurs. Mais elle fait que 26 de dégâts alors que celle-là elle en fait 114. Donc autant dire que pour les gros boss ça vaut pas le coup, mais pour les petits pions peut-être bien, ouais. Celle-là je vais la garder, ça je le range. Du coup je vais ranger ça, ça aussi, celui-là aussi. Quoique j'ai rangé un collier là, je sais pas c'est quoi comme collier, mais... Anneau. Non, c'est un casque. Non, je sais pas. Oh, j'en sais rien. Alors, gant, je range. Oh, excusez-moi de bailler. Fatigué. Alors, ça, je range aussi. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Voilà, déjà, ça fait de la place. 330. Eh, ça a pas libéré grand-chose, finalement. Hein. Je m'attendais à quand même mieux. Ah, du coup, ça, j'en ai plus besoin. Objet de quête dans votre inventaire. Ouais, mais j'ai déjà fait ça. Bon, écoute. Ça, on range. Ça, je peux peut-être pas le ranger. Non. Qu'est-ce que je pourrais mettre dedans? J'aime étrange. Ouais, ok. On va ranger... Ça, je peux pas, je pense. J'ai trois os sur moi. Ah oui, d'accord. Bah on va le mettre ça dans l'autre coffre, il y en avait déjà.
Qu'est-ce que je peux me mettre d'autre? Pas ça, ça sert à rien. Ça, faudrait que je les vends. Tout ça, c'est à vendre, donc on va les garder. On va peut-être faire un tour au marché, d'ailleurs. On va aller déposer les os de dragon là-dedans. On va essayer de faire de la place. Hein. Là, on en est à combien? 285 sur 385. Ça fait 100 points déjà de libérer. C'est énorme. Alors je vais à Blanche Rive histoire de vider un petit peu mes poches en vendant des trucs. Et puis ce que j'arrive pas à vendre, je vais essayer de faire tous les magasins et puis après ce qui reste, je le mettrai dans un coffre au pif. Hein. Parce que ici je peux pas vendre grand chose. Faut que j'aille là-bas. Ouais. Prenez votre temps, je suis sûr. Tout est à... Bon, un peu de tout. Alors 62, il a que 750, ça va être vite fait. Hein. 275, 275. Déjà avec deux diamants, le gars il a plus de thunes. Les fragments, c'est pareil, ça c'est de la merde, je veux pas, voilà. Ensuite, il lui reste 196. Et ça, ça vaut 62. Je vais vendre ces deux-là déjà. Voilà. J'ai vendu tout ce que j'avais. Revenez donc. Enfin, une bonne partie. Du coup, là, je peux plus rien vendre à eux. On se casse. On va aller à... C'est quoi ça? Ok. Ah, il y a des nouveaux trucs. Hein. Ouais. On va aller à la solitude, tiens. Et après, il nous reste que Fayez, mais Fayez... je sais plus c'est qui. À qui je vends quoi. J'ai quelque chose pour à peu près tout le monde ici. Le bric-à-brac. Faites-moi signe si vous avez... Bérand, il y en a qui appellent ça de la camelote. Moi, j'appelle ça des trésors. Tiens, 62 x 16, ça fait combien? Oula, 900, ça fait un peu beaucoup. Il te reste 13. Ben, punaise, tu vois, t'achètes vraiment pas grand-chose, toi. 34, c'est mort. 172, allez, quand même. Ouais. Oh la vache, ah d'accord. Et ça, 52. Et B. Bah là-dedans, j'ai rien, je pense pas. Du coup, tant pis. Vous Attends, pouvez je revenir vois. Au bric-à-brac. Elle est où la deuxième. Ta collègue, elle est pas là. Merde. J'aurais bien essayé de vendre aux deux en même temps. Au pire, on va essayer d'aller là-dedans. Là. Faites attention à ce que vous faites. Oh, c'est bon, il grognasse là. Prenez votre temps. Ah, c'est là-dedans que vous trouverez certainement ce que vous cherchez. Sinon, demandez-moi. J'aurai peut-être en réserve. Blablabla. Des vêtements pour les clients malins. Et non, tu prends juste des vêtements. Ok, bah va te faire foutre. Enfin. Bon, on va essayer solitude. Hein. Peut-être que les voleurs vont bien m'acheter ça quand même. C'est que de la richesse. Ce serait malheureux qu'ils achètent pas. Mais bon. On peut s'attendre à tout et n'importe quoi avec eux. J'aurais bien fait la quête. Ouais. Pour récupérer le livre maintenant. Ah, je sais pas. Ah, est-ce qu'on fait? Ouais. Ouais, je pense qu'on va le faire. C'est quoi ça? Je lisais... C'est quoi ce truc? Bienvenue à la... J'ai toutes sortes de marchandises à vendre. Il y en a qui appellent ça de la camelote. Moi, c'est j'appelle toi qui ça des trésors. Bric-à-brac, du coup. Ouais, c'est toi. Du coup, ça vaut
250, ok. Bah, je vais vendre ça plutôt, ça prend de la place, ça, ça fait 2 de poids quand même. En plus, il y en a une, elle vous appartient, je crois. Là, du coup, ça fait 258 pour une. 258 pour deux. Là, j'ai trop. 175, 135. Enfin, 137. Il ne reste que 8. Et avec 8, il peut rien acheter. Ouais. Ouais, je t'ai ruiné. Ouais. Et sa femme, elle sert à rien parce qu'elle n'est pas vendeuse, non, déjà. Et bah, il n'y a plus qu'à aller voir les souris, là. Vous êtes de passage à Fayez ? Comment on fait pour y aller rapidement ? Est-ce que j'ai accès au passage secret ou pas du tout ? Ça, c'est une bonne question, ça. Non, j'y ai pas accès parce que j'ai pas fait la quête des voleurs. Fais chier. Alors, du coup, par où je suis passé la dernière fois ? Pas une petite pièce d'or ? C'est moi. Ah, il y avait lui aussi. Merde, il est pas là. Vous voulez rester en vie ? Vous voulez acheter quelque... Jeter un œil ? Ah si ? Ah si, elle achète. Déjà, on va vendre les 4 là. 69. 69. 138. 207, nickel. Bon, après, elle a plus assez. Mais... 33, non. Revenez non. Quand vous aurez plus d'or à dépenser. Je dois vous parler de la cuirasse que vous m'avez. Oui. Jetez un œil là-dessus. Ah, du coup, je peux lui vendre à lui aussi. Oh, mais c'est trop bien ça. Du coup, je peux vendre mon grenat. Ah ouais, mais le grenat, on va le faire en dernier. Hein. 200 et quelques. Oh la vache, 1000. On va peut-être pas aller jusque-là quand même. Ah la vache. Mais c'est que j'en avais beaucoup quand même. Ouais, je peux en vendre que 4. Bon voyage. Bon, je pense que là ils en ont assez. Hein. Apportez-la moi demain et j'arrangerai ça. Là je pense qu'ils en ont largement assez. Ah ouais, je peux passer par là. Je vais voir s'il y a à l'intérieur, il y en a qui achètent des trésors ou pas. Il y a encore des cadavres. Alors, si je passe par là, ça me fait un raccourci. Logiquement, du coup, j'ai juste à aller là, non ? Ouais. C'est bien ça. Du coup. Là, il n'y a personne. Est-ce que quelqu'un voudrait bien acheter ? Ils doivent une belle somme à notre organisation, et ils ont refusé de payer. Revenez plus tard, et j'aurai peut-être du travail pour vous. Si vous avez envie de discuter, la cruche n'est pas... Vous avez intérêt à avoir de quoi payer, sinon c'est pas la charité ici. Ah ouais, vous attends. Il y en a qui appellent ça de la camelote. Moi, j'appelle ça des trésors. Je peux vous donner... Oh, fuck, t'as pas de la bouffe, bon, tu vois rien. Bien. La dernière personne qui a contrarié Beckett a fini le crâne enfoncé. Vous avez besoin de conseils ? Parlez à Brignol. Moi, j'ai mieux à faire. Arrêtez de chercher des petites combines. Vous pourriez gagner beaucoup plus d'argent. Nous avons besoin de gens comme vous. Beckett et moi, j'apprécie votre offre, Delvin. Et je pourrais bien l'accepter. Merde, elle est pas là, l'autre Ils doivent une belle somme d'organisation. Et ils ont refusé de payer. J'aimerais leur faire comprendre qu'ils ont peur. Ouais, il manque une personne, non ? Revenez plus tard. Ou alors c'est elle. Et j'aurai peut-être du travail. Mais elle veut pas me vendre des trucs. Vous ne m'impressionnez pas. Inutile d'essayer. Merde. Ah merde. Bon bah tant pis, hein, on s'en fout. Ils doivent une belle somme à notre organisation. Et ils ont refusé de payer. Bon, ça va, on va bientôt passer un level. Elle va par là, attendez, c'est où ? Non, c'est là-bas. Hop, voilà. Bon, on n'a pas tout vendu, mais on a quand même vendu beaucoup de choses. Je veux voir, tiens, juste à quel poids je suis. 275 sur 280, 385. Plus de 100 de poids, et ça c'est quand même pas mal. Hop, nouvelle découverte, ça nous donne un petit peu d'XP en même temps.
Et on rentre chez nous. Alors, quoique non. Je veux faire la quête ici. Je sais que j'avais dit que je la ferais avant le boss, mais tant pis. J'ai envie de la faire maintenant. Comme ça, j'ai pas besoin de retourner à bord de ciel après. Tant qu'à venir vider les poches, autant faire ça d'abord. Logiquement, j'ai le parchemin, j'ai juste à lui parler. Et après, il va faire le con. La place manquait pour la construction du niveau supérieur. Donnez-le-moi, vite. Extraordinaire, je le vois. D'infimes fractales enclenchent sa fermeture. Le sang d'Oemer dessert les crochets, mais l'extinction de cette race rend sa quête impossible. En rassemblant le sang de pourrait constituer un facsimilé. Le sang de chaque elfe. Quelle ruse! Ils ne l'avaient pas prévu. Non, même pas eux. Le sang d'Altmer, Bosmer, Dunmer, Falmer et Orsimer. Les elfes, encore en vie, fournissent la clé. Utilisez cet extracteur, il absorbera le sang frais des elfes. Revenez lorsqu'il sera plein. Ah, la boîte contient le cœur, l'essence d'un dieu. J'ai voué ma vie entière au parchemin des anciens, mais le savoir qu'il renferme est une révélation bien éphémère comparée à l'esprit tout-puissant d'une divinité. Les Dwemer ont été les derniers à y toucher. On pensait qu'il avait été détruit par les Nerevariens, mais mon seigneur m'a dit que non. Le prince des draps de l'inconnu, Hermaeus Mora. Je pensais qu'aucun secret ne m'échappait, jusqu'à notre rencontre. Il a demandé des sacrifices. J'ai tué des hommes, encouragé la dissidence, engendré des fléaux. Pour les secrets, je peux tout supporter. Le moment venu, il m'a amené ici, à la boîte. Mais il ne voulait pas révéler comment l'ouvrir. J'ai cru devenir fou. Non, t'as pas juste cru. T'es devenu fou. Mais c'est pas grave. Je t'en veux pas. Moi, à ta place, enfermé dans un caillou, enfin un truc de glace comme ça, je serais devenu fou aussi. Oh, pas lui. Hermaeus Mora, oh, oh. Qu'est-ce qu'il me fait les boules avec ces tentacules dégueulasses, là, à chaque fois. Approchez encore. Profitez de mon aura. Oui, bah j'ai la tête dans ta tentacule, je suis assez proche, non? Je suis Hermaeus Mora. Je vous observe depuis votre victoire contre Mirak. Vos progrès sont les plus impressionnants. L'aide que vous ne cessez d'apporter à Septimus le rend de plus en plus obsolète. Il m'a bien servi, mais il aura bientôt fait son temps. Une fois ce coffret infernal ouvert, il ne me sera plus d'aucune utilité. À ce moment, vous deviendrez mon émissaire à sa place. Qu'en dites-vous ? J'ai pas envie d'être ton larbin et puis que tu me tues après. Hein. Méfiez-vous. Vous n'êtes pas le premier à réagir ainsi. Et je les ai tous brisés. Vous ne m'échapperez pas éternellement. Rien à faire. Va crever, sale enfoiré. T'as tué des gens sympas. Pour rien en plus. Ah, oh, un caillou qui a. Enfin, un glaçon qui a apparu de nulle part. Bon, du coup, les elfes. Ouais, enfin, on verra ça une fois, en fait, finalement. Ouais, ça a progressé la quête quand même, mais. Mais là, la flemme d'aller chercher le sang des elfes. Oh, ça va être trop long. Sinon, faut que j'assassine des gens au pif. La Vierge du Nord est parée au départ. C'est le Yalund qui commande.
Je ne suis qu'un simple matelot. Oui, bah c'est bien, on m'en fiche. L'autre, on raconte sa vie. Donc bah là, on va faire le tertre, hein, du coup. Maintenant que j'ai la pioche, je vais pouvoir récupérer le Stalrim pour libérer le passage dans la grotte et accomplir tous les passages qui étaient bloqués auparavant. Ça va être top. Bon, il y en a qui ont survécu. Oh, j'espérais ne pas vous revoir. Oui, les mercenaires ont bien fait leur travail. Ça valait la peine de les engager. Bien sûr, ceux qui sont morts ne seraient sans doute pas du même avis. Par les dieux, quel désastre. J'ai comme une impression de déjà-vu. Mais ça veut simplement dire qu'on commence à être bien rodé. Occupez-vous des drogueurs, je me charge d'empêcher le reste de ces Noa de s'enfuir. T'inquiète, je m'en charge. Je vais même changer d'épée, tiens, je vais essayer la lame de Skalsang pour voir. C'est avec celle-là, elle est tellement puissante que je les démonte en peu de temps. Ah mais c'est une arme à deux mains, c'est vrai. Tant pis. Ça dégage déjà. Voilà. Bon bah en fait ça le fait avec cette arme là, c'est juste que c'est un peu plus long mais ça le passe. Il faudrait juste que je l'augmente un petit peu quand même. Parce que je l'ai pas encore affûté. Mais ça va. On va juste équiper un cri. Bah je l'ai déjà, ok bon c'est bien. Et là on va mettre bah vigueur toujours. Parce qu'avec cette arme là en plus il m'en faut beaucoup. Parade ça peut être pas mal. C'est quoi cette parade là? Frappe mortelle, les frappes infligent 5 fois plus de dégâts. C'est pas mal hein. Parer avec un boulkier réduit 50% des dégâts de feu, de glace et de foudre. Je prends. Ça c'est super bon ça. Le prochain ça sera soit armure lourde ou soit parade mortelle. Mais après la frappe je l'utilise pas beaucoup en soi. Ah oui on est quasiment à la fin du donjon là. On a bien descendu. Alors, attendez, parce que là, du coup, là, il y a encore du monde. Il est mort, voilà. Il est pas là, l'autre? Il est où? Il est en bas, mais en bas où? Tu peux te bouger, ton gros cul, toi. Ah. Oh.